na pambolisa be c'est vrai na na yebi ba on internet nde bible lo bara e pa nzambi azay zate na yaka le mort mais no veki ba za na le mort bien en fait na ka le mort na ka na ça fait longtemps pour famille na ngeza a mais na bi l'église zo na ye na kinda na mais na yaki lo bi na bi non mais na bi na ba ah non ya le mana vite ne na koma. Il faut que la maison n'a pas de zambé. Amen. Zambé est mis en ligne à Zoom et ma bango. Amen. Tout à la taille. Tout le monde peut pas me coloper au bassin et en zambé. Même ça, c'est les rêves au bamicolo bassara qui va s'arrêter. Pour ça, à voter pour bisso de bonne langue pour la maison. Amen. Amen. C'est ma maison. Amen. Ton pasteur que tu aimes beaucoup, ta copine que tu aimes beaucoup, ton copain que tu aimes beaucoup, ça sera bien lui qui cherchera ta tête à toi. Alléluia. Amen. Ton amour à toi ne dépasse pas l'amour de Dieu. Oh, papa. Il est là, Jésus. Il est merveilleux, ce Jésus-là. Il est incomparable. Amen. L'admirable. Amen. L'étoile brillante du matin. Amen. Oh, quand les nuées se rassemblent. Alléluia. Amen. Dieu voulait faire tomber l'eau aussi sur la terre pour faire le déluge. Oh, Dieu se souvient de Noé. Dieu se souvient de l'arche. Oh, alléluia, qui se présente aux nuées. À combien plus forte raison, Jésus s'est donné sa vie pour nous. Amen. Jésus est notre arc-en-ciel. Amen. Devant nos problèmes qui nous encablent, Jésus est là. Même si les ténèbres persistent dans ta vie, oh Jésus est l'étoile brillante du matin. Amen. Même si les choses ne marchent pas, Jésus est là, les choses marcheront. Amen. Même si rien ne marche dans ta vie, oh le monde te condamne, mais Jésus est là. Amen. Il brisera la condamnation. La personne que tu as scellée dans ton cœur, il est image de Dieu. Amen. La personne que tu as scellée dans ton cœur, il est envoyé de Dieu. Amen. Pour annoncer la bonne nouvelle. Laisse-moi te dire, la personne que tu y as mis au fosse, à la poste au lion, il est envoyé de Dieu. Il paiera sortir. Dieu le paiera sortir et toi tu le remplaceras. Amen. Tu es différent contre moi. Je n'ai pas de problème. Je continue à servir, hein, mon Dieu. Amen. Je continue à évangéliser. Amen. Tu es différent. Et maintenant, peut-être cette personne a pris du temps de prier pour toi. Amen. Mais aujourd'hui, tu es indifférent contre lui. Aujourd'hui, tu es la première personne de combattre cette personne. Non, on ne combat pas le lui de Dieu. Amen. On ne combat pas le choix de Dieu. Amen. On ne combat pas l'établi de Dieu. Amen. Tu le remplaceras toi-même. Alléluia. Amen. Attention, Amen. Il est temps Amen. De changer ta vie. Amen. Saisissez l'opportunité. Amen. Toi, Pharaon, change ta vie.
Juste un verset premier. Ecclésiaste chapitre 12, verset 1. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Je lis la parole de Dieu dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 1. Jeune homme, réjouis-toi dans ta genèse. Livre ton cœur à la joie pendant le jour de ta genèse. Marche dans le voie de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Dans le verset 3, la Bible nous dit « Mais souviens-toi de ton Créateur pendant le jour de ta jeunesse, avant que le jour mauvais arrive et que les années s'approchent où tu diras « Je n'y prends point de plaisir. » Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Bien-aimé, mon thème de ce soir est intitulé « Dieu nous regarde ». Amen. Dieu nous regarde. Avant d'aller plus loin, je voulais te dire ceci ce soir. Reçois ces précieux conseils. Bien-aimé, je sais que ce soir, tu es là. C'est parce que souvent, nous avons l'habitude de dire mercredi miracle, mercredi guérison, mercredi le jour de la délivrance. Amen. Amen. Je pense que tu es là. C'est ça que tu pensais dans ton cœur. C'est ça que tu méditais. Je voulais te dire une chose. Dieu n'est pas seulement un Dieu de mercredi. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu as dit dans ton cœur, aujourd'hui, vraiment, je dois finir avec ces gens-là. Parce qu'aujourd'hui, nous allons prier parce que le mercredi miracle. Alléluia. Amen. Tu as dit aujourd'hui, vraiment, avec le problème que j'ai, aujourd'hui, ils vont me sentir. Alléluia. Amen. Je te dirai ceci, bien-aimé. Alléluia. Amen. Oui.
parce que je suis inspiré par Dieu. Amen. Dieu nous connaît très bien. Amen. Je voulais te dire ceci par rapport à tes problèmes à toi. Ça ne prendra jamais fin que le jour de mercredi. Amen. Alléluia. Amen. Ça ne prendra jamais fin par rapport à ta décision, à ta détermination qu'aujourd'hui, je dois vraiment prier comme il faut. Donc, ces gens-là vont me sentir. Alléluia. Amen. Bien-aimé, lis ta Bible est très bien. Dans Genèse, tu verras que ton Dieu, le Dieu que je vous prêche, il n'est pas seulement que le Dieu des mercredis, ni le Dieu de dimanche ou de vendredi. D'abord, pour arriver en ce lieu, ce n'est pas le miracle de Dieu. Pour que tu puisses te réveiller, ce n'est pas le miracle de Dieu. Pour que tu puisses avoir le souffle de vie en toi, ce n'est pas le miracle de Dieu. Alors je voulais te dire encore ceci, selon la parole de Dieu. Amen. Et selon la connaissance de Dieu, selon la révélation de Dieu. Amen. Lis dans ta Bible et tu verras. En commençant le jour de dimanche que Dieu a commencé à créer. Le dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. C'était que le miracle des miracles. Amen. Quand Dieu a commencé à créer le ciel et la terre, c'était que le miracle. Le lundi, c'était le miracle. Mardi, miracle. Mercredi, miracle. Jeudi, miracle. Samedi, dimanche, miracle. Amen. Miracle sur miracle. Amen. C'est pour te dire que non, tous les jours, Dieu est en train d'opérer les miracles. N'attendez pas que le jour de mercredi, que ce jour-là tu seras guéri, ce jour-là on va me poser la main. Si tu as cet esprit-là, tu ne peux jamais progresser, tu ne peux jamais avancer. Amen. Là, ton Dieu à toi sera limité. Or que moi, le Dieu que je vous prêche n'est pas limité, il est illimité. Amen. Je voulais t'ajouter encore ceci. Reçois cette révélation. Amen. Le jour que tu comprendras, le jour que tu obéiras à la parole de Dieu, le jour que tu prendras vraiment la décision de mettre en pratique la parole de Dieu, et ce jour-là, le miracle commencera maintenant à se produire dans ta vie jour et nuit. Amen. Du lundi au dimanche. Amen. Alléluia. Amen. Si tu obéis pas à la parole de Dieu, si tu refuses même de mettre en pratique la parole de Dieu, voilà pourquoi tu es obligé d'attendre que le jour de mercredi. Tel qu'aujourd'hui, je te dis carrément que non, ce que tu as pensé, là où tu étais, ce n'est pas ça. Amen. Aujourd'hui, c'est autre chose. Amen. Alléluia. Amen. Alors mon thème de ce soir, Dieu nous regarde. Amen. Nous venons de lire la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, le roi Salomon nous prodigue des conseils. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si c'est un piège pour nous. Cet homme a parlé ainsi par rapport à ce qu'il avait vécu. Alléluia. Amen. Parce que la Bible nous dit dans la Nouvelle Alliance, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mais là, nous venons de lire. La parole nous fait voir et la parole nous dit, jeune homme, réjouis-toi dans sa jeunesse, lui
ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans le voie de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. À la paix, sache que. Mais dès le début, on nous conseille, on nous produit de réjouir. Alléluia. On nous demande de nous réjouir dans nos jeunesses, de livrer nos cœurs à la joie pendant les jours de notre jeunesse à nous. La Bible nous dit de nous marcher dans les voies de nos cœurs selon les regards de nos yeux. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je dis, ce n'est pas un piège pour nous. Parce que la Bible nous dit le monde est déjà sous la puissance du diable. Salomon avait eu des conseils de la part de Dieu. Il était interdit pour elle de ne plus aller se marier avec d'autres nations que Dieu les avait interdits. Alléluia. Amen. Les nations étrangères. Mais Salomon se lia avec toutes ces nations-là. Salomon avait eu 700 femmes et 300 concubines. Je ne sais pas. Dans ce passage, il nous prodigue des conseils, d'où il nous pousse afin de devenir comme lui. Alléluia. Je pense que chacun de nous a sa réponse. Qu'est-ce que tu penses dans ton cœur? Salomon dit, réjouis-toi. Réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Tu es encore jeune. Tu dois te réjouir. Réjouis-toi. Fais comme tu veux. Si je peux aller plus loin, je vois que dans ce passage, on nous parle de la liberté. Alléluia. Il n'y a pas question de dictature là. On n'a pas interdit. Réjouis-toi. Marche selon livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans le voie de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Alléluia. Faisons un peu la différence. Mais quelque part dans la Bible, on nous interdit. On nous interdit de marcher selon le regard de nos yeux. Dans le livre d'Ecclésiaste, réjouis-toi. Homme, jeune homme, jeune femme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Alléluia. Je pense que tous les jours, Dieu est en train de nous parler. Dieu est en train de nous parler de ne plus faire ceci, de ne plus faire ceci, de ne plus agir ainsi. Alléluia. Mais nous n'arrivons pas à obéir à la voix de l'Éternel et nous n'arrivons pas à mettre la parole de Dieu en pratique. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien-aimés, ce soir, comme Dieu n'est pas un dictateur, moi aussi non plus, Salomon aussi non plus. Pose-toi maintenant des questions, posons-nous des questions. Ce n'est pas un piège pour nous. Afin de devenir des polygames, de prostituées,
des adultères, de devenir comme le roi Salomon avait agi. Alléluia. Ce n'est pas péché pour nous. Amen. Nous étions dans le monde. Parce que ce passage, bien aimé, attention, Salomon n'était pas païen, Salomon connaissait Dieu, Salomon était devenu insensé, était devenu ennemi de Dieu parce que il était devenu troublé par ces 1000 femmes. La parole de ce soir est adressée à vous et moi. Nous qui avons la connaissance divine, que devons-nous maintenant faire? Dieu n'est pas un dictateur, mais il nous fait voir comment devons-nous agir afin d'hériter le royaume des cieux. Alléluia. Dans Deutéronome, Dieu a placé la malédiction et la bénédiction. Mais il nous produit des conseils de faire du bien pour qu'il n'y ait pas à nous des choses négatives, pour que nous ne puissions pas embrasser l'enfer. Alléluia. Amen. Pour que nous ne puissions pas embrasser l'affaire. Alléluia. Amen. C'est à vous et moi. D'élargir un peu nos connaissances, nos pensées, notre intelligence. La Bible dit, Dieu est notre refuge. Si réellement que nous avons trouvé un refuge auprès de Dieu, est-ce que nous devons nous laisser que le monde puisse nous manipuler, d'où d'abandonner Dieu et de retourner encore dans le monde? Écoute. Au moment que nous avions quitté le monde, devenu en Jésus-Christ, hein, cela veut dire que nous avons eu des problèmes dans le monde. Amen. Alléluia. Amen. Comme nous avons eu des problèmes dans le monde, on ne pouvait jamais rester là. Voilà pourquoi nous avons trouvé refuge auprès de Dieu. Amen. Nous devons maintenant marcher selon le statut de réfugié chrétien. Amen. Alléluia. Nous devons marcher selon le règle de Dieu. Si quelqu'un est devenu un réfugié politique, il ne peut jamais retourner dans son pays. Dès qu'il mettra les pattes dans son pays, ça sera la mort pour lui. Alléluia. Parce qu'il sera manipulé, torturé par les autorités de son pays. Donc tu es obligé de rester là où tu étais parti demander l'asile. Tu seras maintenant conduit par rapport à leurs règles. Tu obéiras à leurs règles. Amen. Alléluia. Amen. Faisons beaucoup d'attention. Et beaucoup de gens sont en train de commettre les erreurs graves. Aujourd'hui, tu es devenu, on t'a déclaré réfugié politique. Tu as eu la chance de devenir français, allemand, belge, anglais, américain. Alléluia. Il faut savoir, vu que l'origine est toujours en place, le pouvoir que tu avais eu des problèmes est toujours en place. Même si tu es devenu français, tu ne peux pas aller dans ton pays à toi, d'origine, parce que tu es devenu français. Non, tu dois toujours rester là.
parce que tu es devenu français, belge, allemand, anglais, américain par rapport à tes papiers, mais le figure n'est jamais changé. On va très bien te reconnaître parce que tes images à toi sont là. Ce n'est que tu as changé le statut. Tu as quitté le statut de réfugié, de devenir français, tu as eu la nationalité. Mais ton problème à toi avec les autorités de ton pays n'a jamais changé. Le problème est resté le même. Mais beaucoup de gens ne comprennent toujours pas. J'ai eu la nationalité, je peux aller. Voilà pourquoi beaucoup de gens meurent comme ça. Alléluia. Amen. On était dans le monde, chez le pauvre diable. On était maltraités, torturés. Nous avons demandé l'asile auprès de Dieu. Amen. Dieu nous a accueillis, nous a donné le statut de réfugiés chrétiennes. Amen. Alors nous ne pouvons jamais retourner encore dans le monde. Amen. Alléluia. Amen. Si tu essaies seulement, tu auras le problème avec les autorités, les dieux de ce monde. Ils ne peuvent jamais te laisser tranquille. C'est la vie ou la mort. En refusant de marcher selon le règne de Dieu, soit tu es faux réfugié. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui refuse de marcher selon le règne de Dieu, moi, je peux dire que non, il est un faux réfugié chrétien. Amen. Et je peux dire aussi que non, le Messie, la personne est pion. Amen. Alléluia. Amen. La personne est traître. Yes. Il est devenu demander l'asile afin de prendre les informations de Dieu et de transmettre dans leur pays. Mm. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je te dis ce soir, il y a encore des traîtres. Mm. Alléluia. Amen. Il y a encore des traîtres. Simon Magicien avait accepté de devenir réfugié chrétien. En même temps, en lui, il avait encore les choses de ce monde. Il n'a pas voulu accepter de restituer, d'abandonner le statut de ce monde. Alléluia. Amen. Tandis que Paul, aussitôt dans la route de Damas, avait rejeté le règne de ce monde. Amen. Il s'attacha au statut de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Bien, mais Dieu nous regarde. Il n'est pas un dictateur. Réjouis bien-aimé. Fais comme tu veux. Avec la femme de ta jeunesse, l'homme de ta jeunesse, bien-aimé. Fasse comme tu veux. Dieu te regarde. Je te dirai ce soir, bien-aimé, ce n'est pas un piège. Amen. Salomon nous a prodigué des conseils par rapport à ce qu'il avait vécu. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un piège que Salomon nous a donné, non. Mm. Il ne nous a jamais piégé. Il dit bien, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Alléluia. Amen. Pourquoi il a dit ainsi? Il a parlé ainsi. Parce que lui aussi, on l'avait prodigué des conseils. Salomon n'a jamais accepté cela. Il a fait ce que son cœur désirait. Il a fait ce que son yeux voyaient. Alléluia. Il a refusé d'écouter ses conseillers. Ce que Salomon a subi, voilà pourquoi avec son expérience, il a commencé maintenant à partager cela. Il n'a jamais tenu la chicotte entre sa main et puis de chicoter. Non, il a prodigué des conseils. Il a dit, fais comme tu veux. La liberté est là. Sur la croix, Christ nous a donné la liberté. Mais comment devons-nous travailler, profiter à cette liberté? Alléluia. Amen. La liberté que Christ nous a rendue, ce n'est pas
pour que nous puissions retourner encore dans le monde. D'ailleurs, dans le monde, on n'était pas libre. On n'y avait pas la liberté. Quand on nous dit la liberté que Christ nous a donnée, on était des esclaves, scellés quelque part. Christ est venu nous libérer là où on était, nous avons sorti dans la prison. Si tu acceptes de retourner encore dans le monde, tu ne seras jamais libre. Alléluia. À la fin, qu'est-ce que Salomon a dit? Réjouis-toi, homme, jeune homme, de ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Tu peux devenir cupide, idolâtre. Tu peux devenir outragé. Tu peux devenir comme tu veux. Tu peux devenir prostitué, adultère. Mais qu'est-ce que Salomon a dit? Quand tu fais cela, il dit, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Alléluia. Comment tu as profité de la liberté de Dieu? Tu as profané cette liberté. Alléluia. Salomon a dit cela pour que nous ne puissions pas avoir à nous des dérapages. Alléluia. La Bible dit, vaut mieux la peine d'une chose que son commencement. Il a bien commencé. Il a dit, réjouis-toi. Marche selon le regard de tes yeux. Mais la peine de ses phrases, mais sache-le que Dieu t'appellera en jugement. Alléluia. Si tu as bien travaillé, tu as profité de la liberté de Jésus. Tu as bien travaillé, tu as bien raisonné. Sache-le que ce jour-là, tu ne seras jamais jugé. Tu ne seras jamais jugé. Tu seras qualifié. Mais si tu profanes la liberté de Jésus, alors maintenant le jugement t'attend. Tu seras jugé. Nous serons jugés sévèrement. Bien, mais nous devons réfléchir un peu plus loin sur ce passage. Nous devons réfléchir vraiment beaucoup sur ce passage. Comment nous agissons? Comment nous raisonnons dans nos cœurs? Comment nos yeux, nous exposons nos yeux? Alléluia! Comment nous voyons? Comment nous regardons? Comment nous méditons? Alléluia. Amen. Nous devons savoir que nous sommes des réfugiés chrétiens. Amen. Faisons beaucoup d'attention. Un réfugié ne peut jamais retourner dans son pays. Tu seras retourné dans ton pays le jour que le régime en place tombera. Alléluia. Amen. Tant que le diable n'est pas encore lié, tant que Jésus n'a pas encore fini avec le pauvre diable, nous ne pouvons jamais retourner dans le monde. Amen. La Bible dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je te dirais ceci, dans Lamentations chapitre 3, verset 22, la Bible nous dit, le bonté de l'Éternel n'est pas encore épuisé. Amen. Alléluia. Amen. En Jésus-Christ, nous trouverons. Alléluia. Amen. Il sait très bien que nous, par rapport à ce conseil à nous, il y a encore des dérapages. Amen. Alléluia. Amen. Il y a encore des dérapages. Voilà pourquoi il dit que non, le bonté de l'Éternel ne sont pas épuisés. Alléluia. Amen. Il a encore la compassion pour nous. Entre ta main ou tes mains, tu as le statut de réfugié chrétien. Amen.
Alléluia. Amen. Mais comment tu peux fonctionner le statut que tu as reçu? Est-ce que tu obéis aux règles qui sont là? Alléluia. Amen. Ces compassions ne sont pas à leur terme. La Bible dit, Jésus est lent en colère, riche en bonté. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, à cette heure-ci, je suis venu te dire de la part du Seigneur, comme tu ne veux plus écouter la voix de l'Éternel, comme nous refusons de mettre en pratique la parole de l'Éternel, voilà pourquoi Dieu te dit, résus-toi. Passe comme tu voulais. Conduis tes yeux à toi. Alléluia. Amen. Ah. Marche dans les voies de ton cœur. Or que nous devons marcher de selon le voie de l'Éternel. Amen. Mais Dieu te dit ce soir, marche selon le voie de ton cœur. Selon le voie de ton cœur. Comme ton cœur désire de marcher selon toi, fasse-le. Alléluia. Amen. On n'est pas là pour te montrer le doigt, pour te juger, pour te condamner. Ce soir, tu es venu te dire, de la part du Seigneur, Dieu te dit, fasse comme tu voulais. Mais sache-le que il t'appellera au jugement, au dernier jour. Alléluia. Amen. Tu iras en enfer ou auprès de Dieu. Et nous devons savoir, personne n'a la connaissance de son jour et de la mort. Alléluia. Amen. D'ailleurs, notre vie, nous sommes comme le vapeur. Nous nous pensons que pour perdre du temps. Alléluia. Amen. Nous pouvons bien voir le vapeur à quelque chose de 5 minutes, pas 5 minutes, 5 secondes, et puis voilà, c'est disparu. Alléluia. Amen. Dieu nous a beaucoup parlé. Nous avions déclaré cette année l'année de la résurrection. Est-ce que pose-toi maintenant des questions? Posons-nous des questions. Il y aura maintenant, il y aura vraiment la résurrection dans ma vie, dans tous les domaines de ma vie. Alléluia. Amen. Si aujourd'hui Dieu se permet de te dire que non, réjouis-toi. Alléluia. Réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans le voie de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Tu ne veux plus voir quelqu'un passer devant toi. Alléluia. Amen. Dieu t'ordonne ce matin. Mais sachons que il nous appellera en jugement. Faisons tout ce que nous voulons. Faisons tout ce que nous voulons. Pour ne pas dire que non, évangéliste et dictateur, il est sévère, il est très colérique, il est comme cela. Non, pas question. Dieu n'est pas... La Bible dit, il est là en colère, riche en beauté. Aujourd'hui, Dieu m'envoie pour te dire que non, passe comme tu veux. Réjouis-toi. Tu peux même bafouer la statue que tu as de retourner même dans le monde. Mais sache-le que
Au dernier jour, Dieu t'appellera en jugement. C'est ça le message capital. Dieu nous regarde. Amen. Comment nous marchons, comment nous agissons, comment nous faisons son œuvre. Alléluia. Amen. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Tous les jours, Dieu est en train d'opérer le miracle. Chaque jour, chaque heure, chaque seconde, Dieu est en train d'opérer le miracle. Alléluia. Tu voulais que les situations qui te tourmentent puissent disparaître? Alléluia. Amen. Tu voulais? Mais c'est simple. Obéis-toi à la parole de Dieu. Mets en pratique la parole de Dieu. Amen. Abandonne le monde. Amen. Quitte totalement le monde. Là, tu verras en live le miracle de Dieu. Ça ne sera plus jamais que non, chaque mercredi, il y a guérison miracle. Chaque mercredi, il y a quelque chose. Chaque mercredi, vraiment, nous allons torturer le pauvre diable. Laisse-moi te dire, bien-aimé, le diable se moque de toi. Amen. En toi, en vous et moi, il y a encore les éléments du pauvre diable. Amen. Comment osons-nous te dire que non, aujourd'hui, nous allons torturer le pauvre diable? Alléluia. Amen. Ne faut même pas oser le dire que non, aujourd'hui il va nous sentir. Alléluia. Amen. Il faut que tu sois sûr de toi-même. Ah. Makakadiaka. Alléluia. Amen. La liberté est là pour toi. La liberté est là pour nous. Mais comment nous profitons de cette liberté? Il n'y a pas de dérapage. Oui, il y a des dérapages. Pas seulement aux païens. Même chez nous, les chrétiens. Il y a des dérapages. Des dérapages graves même. Il y a la désobéissance totale chez nous les chrétiens. La Bible nous dit ceci. Psaume 90, verset 1. Nous allons revenir dans Ecclésiaste. Ça, c'est la prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Alléluia. Amen. Pourquoi Moïse a dit ainsi? Sans Dieu, Moïse ne pouvait jamais parler, ne pouvait jamais vieillir. Parce qu'il avait eu des problèmes sérieux en Égypte. Moïse avait tué un Égyptien. Il a fallu qu'on puisse faire périr Moïse. Alléluia. Mais cet homme a trouvé le refuge auprès de Dieu. Oh là là. Il ne pouvait jamais retourner. Voilà pourquoi il a refusé de retourner en Égypte. Parce qu'il savait très bien que non, j'ai des problèmes sérieux en Égypte. Si les Égyptiens m'attrapent là, je serai mort. Moïse a discuté avec Dieu, a refusé de retourner en Égypte à cause de cela. Alléluia. Mmh. Mais quand il a compris que non, il a trouvé le refuge auprès de Dieu, il était devenu intouchable. On lui a fait retourner en Égypte. Les Égyptiens étaient là, Pharaon était là. Mais personne n'a touché Moïse parce qu'il était bien protégé par Dieu. Alléluia. Amen. Bien, écoute. Combien de personnes ont eu
eu des rejets en France? Combien de personnes ont eu des rejets en Europe? Alléluia. Amen. Tu viens de demander l'asile, mais on te rejette. On te peut même retourner dans ton pays à toi. Hein? Ce n'est pas l'administration de Dieu. Dieu n'agit pas ainsi. Si tu es venu demander l'asile auprès de Dieu, il te protégera. Personne ne te fera du mal. Ce monde ne peut jamais te protéger. Parce que le monde est déjà sous la puissance du diable. Tu as eu des problèmes avec ton président à toi, le gouvernement en place. Tu arrives en France ou en Allemagne pour demander l'asile, on te rejette. Tu sais pourquoi? Hein? Les ténèbres ne peuvent jamais se diviser. Alléluia. Je voulais te dire une chose. Ceux qui gouvernent dans ton pays sont les ténèbres. Là où tu viens de demander l'asile sont les ténèbres. Ne peuvent jamais se diviser. Voilà pourquoi nous constatons beaucoup de rejets. On peut bien t'accepter comme un réfugié politique, mais tu auras toujours des problèmes. Tu seras moins protégé. Combien de réfugiés ont trouvé la mort au pays d'exil? Quelqu'un qui a demandé l'asile, mais on le trouve mort. Il est tué par le pion des régimes en place de son pays. Alléluia. Nous trouverons que le vrai refuge auprès de Dieu. Tu peux dire oui, aujourd'hui j'ai eu 10 ans en tant que réfugié politique. Si tu n'as pas Jésus, bien-aimé, tu ne feras absolument rien. Ça aboutira à rien. Alléluia. Amen. Je te cache la vérité. Ce n'est que la vérité. Beaucoup de gens ont rejeté Jésus comme ça. Parce qu'il a eu le statut de réfugié politique. Où irais-je encore avec Dieu? Tu es devenu polygame, cupide. Tu es devenu ivrogne. Tu es devenu païen. Par ta propre volonté, parce que tu as le statut de réfugié politique entre tes mains, tu n'as pas encore besoin de Dieu, mais tu n'as pas de la valeur. Alléluia. Alléluia. Ah. Je te dirai ceci, bien-aimé. Tu puisses avoir un an. Tu puisses avoir la respicée, tu puisses avoir 10 ans, tu puisses avoir la nationalité. Confie-toi à Dieu. Tu iras loin. Tu feras de grandes choses. Il y en a d'autres qui disent que non, moi je ne prie pas, même j'aime les 10 ans. J'ai la nationalité. Donc, c'est par sa propre force. Alléluia. Je te dirai ceci. Tu n'as pas Jésus-Christ en toi. Oui, tu as toutes ces choses-là. Mais c'est tout à fait normal. Les ténèbres, plus ténèbres, tu peux avoir ça. Alléluia. Et c'est ça la réponse. On te donnera cela. Parce que tu es leur fils, leur fille. Mais laisse-moi te dire. Si Dieu même refuse qu'on puisse te donner, on ne te donnera pas. Amen. Même si que tu n'es pas enfant de Dieu. Dieu nous regarde. Amen. Il prend contrôle de tout. Tu es une créature de Dieu. Amen. Tu n'es pas un produit de hasard. Même si que tu as d'autres dieux,
tu n'es pas un produit de hasard. Un jour, tu comprendras que non, ce Dieu-là est utile. Tu auras besoin de ce Dieu-là. Tu courras derrière ce Dieu. Quand tu verras, tu as 10 ans, tu as toutes ces choses-là, rien ne marche dans ta vie. Tu vas chercher maintenant le Dieu créateur. Amen. Moïse a dit, Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Bien, mais tu as des problèmes sérieux. Nous avions des problèmes sérieux. Laissez-moi vous dire. Ne pas plus accepter de retourner dans ce monde. Alléluia. Nous avons des problèmes sérieux. Sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. Amen. Sans Jésus-Christ, nous sommes limités. Amen. Sans Jésus-Christ, nous n'avons pas la force. D'accepter d'abandonner Jésus-Christ, laissez-moi te dire, tu es mourante. Amen. Au moment que tu décides dans ton cœur qu'aujourd'hui, tu dois abandonner, tu es déjà morte. Régis-toi, fais comme tu veux, on ne peut pas te dicter, on peut que te conseiller, on ne peut pas te chicoter, on peut que te conseiller. La Bible dit, mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta genèse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent. Où tu diras, je n'ai pas point de plaisir. Alléluia. Amen. Tu dois te souvenir de ton Dieu à toi. Au moment de ta jeunesse à toi, bien-aimé. Salomon a prodigué des bons conseils. Dieu nous a parlé à travers Salomon. Amen. Salomon a vécu toutes ces choses-là. Amen. Voilà pourquoi il est mieux placé de nous conseiller. Amen. Très bien que nous sommes des têtis. Comme lui-même Salomon était têti, il n'a pas voulu écouter le conseil de ses conseillers. Amen. Il était têti. Jusqu'à ce niveau que nous, Salomon a épousé 700 femmes et avec 300 concubines à côté. C'est quoi ces histoires? Un homme riche, considéré, il était riche de tout. Combien des enfants? Alléluia. Amen. On ne te dira absolument rien. Dieu a beaucoup parlé. Ce que Dieu m'a mis au cœur, voilà pourquoi je te dévoile cela. Amen. On ne te dira absolument rien. Fasse comme tu veux. Fasse comme vous voulez. Mais aujourd'hui, retenons ce que Dieu est en train de nous dire. Et recevons cette révélation. Gardons ces conseils très bien. Au dernier jour, Dieu nous appellera en jugement. On continuera à dire à celui, celle qui n'est pas encore reproché par Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui. Amen. Amen. Cet homme, apôtre Judas, c'était bien Dieu qui avait choisi Judas. Mais il était à côté de Jésus pour que sa vie puisse changer. Il était devenu un refuge chrétien, un apôtre. Mais, vu qu'il avait refusé d'obéir à la voix de l'Éternel, il avait ce que son cœur lui demandait. Il était libre de faire ce qu'il avait décidé de faire, ce qu'il pensait. Jésus a dit à cet homme, mon ami,
Fais ce que tu voulais faire. Jésus était à tout moment avec eux. Jésus les conseillait. Jésus les enseignait. Mais il n'a pas voulu écouter cela. Alors, jusqu'à ce que cet homme a décidé de vendre son maître. Alors, mon ami, fais ce que tu voulais faire. Je n'ai rien à te dire. Ce soir, Dieu te dit, il n'a rien à te dire, bien-aimé. Il n'a rien à te dire. Fasse comme tu voulais. Fasse comme tu veux, mais sache-le que non, au dernier jour, Dieu nous appellera en jugement. Alléluia. Amen. Dieu nous appellera en jugement. Nous serons jugés. Il a fallu de refuser de devenir chrétien, chrétienne. Pourquoi nous avions accepté cela? Nous avons découvert le secret de Dieu. Mais nous refusons de faire sa volonté à lui. Personne n'était derrière Judas quand il était parti se suicider. Alléluia. Amen. À volonté, il était parti tout seul. Lui-même, il était parti se suicider. Ni les apôtres étaient derrière lui. Bien-aimé, nous refusons d'écouter la voix de l'Éternel. Ce jour-là, tu seras tout seul. Alléluia. Amen. Personne ne sera derrière toi pour te protéger, pour te saisir. Non, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Tu iras tout seul. Alléluia. Amen. Au séjour des morts, tu iras tout seul. Chacun de nous a son jour. Alléluia. C'est lourd, hein, ce message. Bonne balino na gaite, bonne balino beni na yo, yawe tonda na bolingo, yawe tonda na mawa e, bonne balino na gaite, bonne balino beni na yo, yawe tonda na bolingo, yawe tonda na mawa, bonne balino na gaite. Bona boyenge beni na yo, yawe yotonda na bolingo, Yesu yotonda na mawa e. Bona boyenge beni na yo, yawe yotonda na bolingo, yawe yotonda na mawa. Bona makasi na ngaite. Bona boyenge beni na yo, yawe yotonda na bolingo, Yesu yotonda na mawa e. Bien-aimés, nous devons savoir, ce jour-là, il n'y aura même pas question de la délivrance. Le jour de la mort, il n'y a pas question de la délivrance. Si la mort se présente devant toi, il n'y a pas question de la délivrance. Tu iras tout seul, nous irons tout seul. C'est le moment de profiter. La bonté de Dieu n'est pas encore épuisée. Sa compassion n'est pas encore arrivée à terme. Nous devons profiter à cela. Judas était parti tout seul. Mais en néanmoins, Pierre, quand il était parti, il a bien compris que non, j'aurais des problèmes sérieux. Il serait tourné vers son Dieu en lui. Si aujourd'hui on t'enterre, bien-aimé, non, écoute bien-aimé cette révélation. Cet homme, Lazare, avait eu la chance. Est-ce que tu es Lazare? Pour que tu sois ressuscité? Non, écoute, reçois cette révélation. Tabitha avait eu la chance. Pierre se présenta. Tabitha était ressuscité. La fille de Jairus était ressuscitée.
Oh my God. Nous refusons le conseil de Dieu. Un vrai conseiller, il nous produit le conseil. Nous refusons d'écouter ses conseils. Dans quelle position que nous plaçons ce Dieu-là? Croyant que Jésus allait échouer dans sa mission. Non, bien-aimé, écoute. Judas était parti se suicider. Il n'y avait personne ni apôtre derrière lui. Jésus arrêté, torturé, frappé. Wow! Crucifié sur la croix. Judas n'était pas sauvé, mais les brigands étaient sauvés. Alléluia. Et Jésus avait reçu sa mission pendant que Judas a perdu sa vie. Judas a tout perdu. Tous les avantages qu'il avait, il a tout perdu. Il a perdu la vie éternelle. Mais Jésus a reçu sa mission. Un brigand sur la croix, lui qui était condamné, quand Jésus-Christ arriva à Golgotha, cet homme était sauvé. Mais Judas n'était pas sauvé. Alléluia. Amen. Attention, bien-aimé. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Sa compassion est encore là. C'est à toi de décider. C'est à moi de décider. C'est à nous de décider. Ce n'est pas ce Jésus-là. Il était venu nous faire sortir dans la prison. Ce n'est pas à lui de nous faire retourner encore dans la prison. Alléluia. Il nous a fait sortir dans la prison pour que nous puissions avoir la liberté. Mais comment nous travaillons avec cette liberté? Il y a des dérapages totaux. Nous n'avons pas encore profité de cette liberté que Christ nous a rendue. Alléluia. Amen. Salomon a bien souffert dans sa vie. Salomon, lui seul contre 1000 femmes. Et combien d'enfants? Même si que tu as beaucoup d'argent, tu ne peux jamais trouver la paix. Avec une seule femme seulement, un seul homme seulement, tu es à un moment tourmenté. Avec deux enfants seulement, trois enfants, tu es tourmenté. 1000 femmes, 2000 enfants, tu seras comment? Est-ce que tu seras à l'aise? Souvenons-nous, bien-aimés, de notre Créateur pendant les jours de nos jeunesses, avant que les jours mauvais nous arrivent. Alléluia. Oui, aujourd'hui, nous avons de la joie. Parce que Dieu nous donne encore le souffle de vie. Il n'y a rien de danger à nous. Mais laisse-moi te dire, la maladie est spirituelle. Alléluia. Amen. La mort est spirituelle. Amen. Ce qui arrivera demain, bien-aimé, tu ne le sais pas. Yes. Ce que le pauvre Dieu est en train de préparer, tu ne le sais pas. Amen. Mais ton Dieu à toi, il le sait très bien. Voilà pourquoi, si ce Dieu-là est ton refuge, la Bible dit, aucun malheur ne t'arrivera et tu ne seras plus jamais condamné. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Jean? 1 Jean chapitre 2. Jean 2:15-17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie
ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Amen. Demeure éternellement. Demeure éternellement. Demeure éternellement. Le monde passera avec toutes ses richesses. Le monde va passer. Les choses de ce monde passeront. Mais celui-là qui fait la volonté de Dieu vit éternellement. Alléluia. Amen. Si nous avons en nous la mort des choses de ce monde, la Bible dit, nous ne connaissons pas Jésus. Et l'amour du Père n'est point en nous. Alléluia. Amen. Nous pouvons bien dire que non, j'ai l'amour de Dieu, j'aime Dieu, Dieu me connaît. Oui, Dieu peut te connaître comme un cupide, comme idolâtre, outragé, ravisseur, adultère, voleur, escroc, menteur, menteuse. Alléluia. Amen. Il ne te connaît pas comme son fils, sa fille. Parce que tu as ton père à toi qui est le pauvre diable. Et nous ne connaissons pas Dieu. L'amour de Dieu n'est pas à nous. Si l'amour de Dieu n'est pas à nous, cela veut dire que nous ne connaissons pas Dieu. Si en nous, il y a des choses du pauvre diable, nous ne pouvons jamais connaître Dieu. Et nous n'aurons jamais la connaissance divine. Nous aurons la connaissance de ce monde. Amen. Dieu nous regarde. Il est tranquille là où il est. Il nous regarde, mais il se lamente. Dieu nous regarde. Faisons comme nous voulons de faire. Faisons ce que nous voulons de faire. Faisons ce que nous voulons de faire. Dieu est tranquille, il nous regarde. Lui, il attend que non son jour, son retour à lui ici sur la terre, afin de nous juger. Il était déjà venu nous sauver. Il était venu libérer, donner la liberté. Il était parti. C'est à nous d'en profiter. C'est à nous d'en profiter. Souvenons-nous de Jésus pendant les jours de notre jeunesse. Ne cherchons pas à servir Dieu quand nous aurons 50 ans. Quand nous aurons 100 ans, nous serons déjà fatigués. Alléluia. Mm-hmm. Dieu n'aura jamais besoin de toi. Mm-hmm. Dieu a besoin de toi maintenant. Au moment que tu es fraîche. Alléluia. Mm-hmm. Au moment que l'énergie est encore en toi. Et à quel âge Dieu a pris Moïse? Il était encore fort, vigoureux. Profite-toi de devenir vieux entre la main de Dieu. Refuse-toi que non, de devenir vieux, vieille hors de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu n'aura jamais besoin de toi. Amen. C'est à ce moment que notre Dieu a besoin de toi. Dieu n'a jamais envoyé son fils à l'âge de 50 ans. Non. Dieu a commencé à utiliser son fils à l'âge de 12 ans. Quand il était encore jeune et petit. Alléluia. Amen. Nous avons vu Josias à l'âge de 8 ans, Dieu lui a donné le trône. À 16 ans, Josias a commencé maintenant à rechercher Dieu. À 20 ans, Josias a commencé à nettoyer maintenant, à purifier le temple de Dieu. Tu voulais que Dieu puisse te prendre à l'âge de 60 ans, tu feras quoi? Tu seras déjà cow-boy fatigué. Cow-boy est fatigué. Alléluia. Amen. Que feras-tu maintenant, bien-aimé? Hein? Tu as encore 30 ans, 20 ans. C'est le moment de profiter, de travailler pour Dieu.
Quand tu auras 50 ans, là maintenant tu seras fier de toi-même. J'ai maintenant 20 ans dans la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Ce n'est pas 50 ans. Et tu diras maintenant quoi? Une année de la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Amen. Non, refusons d'autres choses. Servons l'Éternel Dieu au moment que nous sommes encore des jeunes. Au moment que vous êtes encore des jeunes, parce que moi je ne suis pas jeune. Alléluia. Amen. Je ne suis pas jeune, moi. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé, attention. Attention. Moi, c'est à l'âge de 20 ans que j'ai reçu Christ dans ma vie. À l'âge de 20 ans. Là, maintenant, j'ai 45 ans. Je suis fier de moi-même. Fier de mon Dieu, de dire que non, j'ai 25 ans dans la vie chrétienne. Amen. Si je vois maintenant le merveille de Dieu dans ma vie pendant ces 25 ans, non, c'est beaucoup. Je suis fier de mon Dieu, ce que Dieu a fait dans ma vie. Amen. Okonuna. Bah, ange, je vais pas boire. Ça vieillit. Alléluia. Amen. Hein? C'est à cette heure-ci que notre Dieu est en train de t'appeler. Alléluia. Amen. Moïse avait eu la chance à l'âge de 40 ans. Avait eu la chance. Oui, tu as encore de la chance. Même si que tu as 40 ans. Même si que tu as 50 ans. Tu as encore de la chance. Même si tu as 60 ans, tu as encore de la chance. Dieu a besoin de toi. Même si tu as 80 ans, Dieu a besoin de toi. Tu as encore de la chance. Même si tu as 100 ans, tu as encore de la chance. À quel âge que Dieu a donné la bénédiction à Abraham? À quel âge que Dieu a scellé l'alliance avec Abraham? Alléluia. Une chose bien-aimée, je voulais te dire ce soir. Si à cet âge-là que notre Dieu est en train de t'appeler, pas de problème. Mais si Dieu a déjà commencé à te dire de faire son œuvre et toi tu refuses, alléluia, dans 2 ans, Dieu va te fatiguer. Je te dis que dans 2 ans, Dieu va te fatiguer. Tu seras abandonné. Si Dieu t'abandonne, Dieu ne peut jamais abandonner ses fidèles. Dieu n'abandonne jamais les justes. Amen. Si tu es injuste, Dieu ne peut jamais te regarder. Amen. Dieu n'abandonne pas les justes. Dieu ne délaisse pas les justes. Amen. Mais si tu n'es pas juste, si tu n'es pas droit, comment tu voulais que notre Dieu ne puisse pas t'abandonner? Il ne peut même te regarder. Alors arrêtons de dire que non, Dieu n'abandonne pas ses filles. Non, Dieu n'abandonne pas les justes. Arrêtez-moi de dire que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu n'abandonne pas ses justes. Amen. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Tu peux avoir ta Bible dans ta main à toi. Tu peux te présenter devant Dieu pendant 5 heures du temps à priant. Si tu n'es pas juste, laisse-moi te dire, c'est en vain. Amen. Alléluia. Amen. Je suis à la fin de mon message. Vous et moi, nous devons réfléchir longuement. Nous devons réfléchir. Moïse avait de la joie
il a trouvé le refuge auprès de l'Éternel. Tu as été notre refuge en génération en génération. Quelle joie que Moïse avait. Alléluia. Amen. Où tu trouveras le refuge? Où tu trouveras la protection? Écoute bien aimé, auprès de ton copain, de ta copine, de ton chéri, même si que tu es épousé, même si que ma personne d'autre est mon tout. Alléluia. Amen. Toi tu penses que ton mari te protégera? Même si que tu es logé chez une belle femme qui a beaucoup d'argent, tu penses que cette femme te protégera? Alléluia. Amen. Même si que tu as porté de super, que j'aime bon mec, cet homme a beaucoup d'argent, il ne te protégera plus jamais. Ça peut arriver un jour, Biromi Balenambetu, Akeyo Tikali, Kimasikoy. Alléluia. Amen. Non, non, mon attendant, mon bali, non, moi, si balani, mon bali, en couffu. Y'a toi. Aucune pona, ni c'est ton mari reste là. Alléluia. C'est parce qu'il est devenu cadavre. Tu ne peux jamais rester là toute seule. Tu prendras fuite, bien-aimé. Tu mangeais avec ton mari. Tu mangeais avec ta femme. Tu faisais tout avec lui. Mais ce jour-là, quand la mort le surprendra, c'est toi qui prendras fuite le premier. Des vivants, il n'acceptera plus jamais de sauter. Mais ce jour-là, il ne te verra absolument rien parce qu'il est devenu cadavre. Le souffle n'est plus à lui. C'est ton mari, c'est ta femme. Pourquoi tu prends fuite? Reste là. Alléluia. Amen. Prenons la décision. Alléluia. Amen. Je sais que c'est lourd. Mais Dieu peut nous fatiguer aussi. Voilà pourquoi il t'a dit que non, tu es maintenant libre. Dès maintenant, tu es libre. Fais ce que tu voulais. Bien aimé, pas ce que tu as décidé de faire. Mais sache-le que non, ton mari ne te protégera plus jamais. Ta femme ne te protégera plus jamais. Ton copain ne te protégera plus jamais. Ta copine ne te protégera plus jamais. Alléluia. Amen. Le vrai protecteur, ce n'est que Jésus. Ce n'est que lui qui te protégera. Amen. Fasse comme tu veux. Faisons comme nous voulons. Dieu n'a pas encore un mot de dire. Parce que nous sommes devenus plus intelligents que Dieu. Plus sage que Dieu. Dieu ne peut rien perdre dans notre vie. Alléluia. Amen. Mais laisse-moi te dire, avec tes problèmes, ce problème-là ne te quittera jamais. Tous ces problèmes-là ne te quittera jamais. Ça sera que multiplié. Ce n'est pas une malédiction, mais je te parle selon le signe de l'Éternel, de la part de Dieu. Amen. En refusant d'obéir, de marcher à la voie de l'Éternel, tes problèmes seront toujours augmentés. Amen. Il y aura toujours l'augmentation et puis changement de mystique. Tu seras même surpris. Et ce jour-là, bien-aimé, tu seras plus que Judas. Alléluia. Amen. N'a changé sonnerie à téléphone. A tes autres, les lalas ont eu raté. Alléluia. Amen. Pour ne pas me déranger, nous tous nous devons déranger Jésus. Amen. Jérémie 33:3. Alléluia. Amen. Moi, je ne suis pas Jésus. N'a changé sonnerie à téléphone. Quand tu viens ici, viens chercher Jésus.
On te fait voir comment tu peux devenir grand, grande. Alléluia. Amen. On n'est pas là que non pour que vous soyez toujours derrière nous. Papa et maman et non. Nous tous derrière Jésus. Amen. Moi aussi j'ai mes problèmes à moi. Amen. Alléluia. Amen. On ne vous fatigue pas. Mais on vous fait voir Jésus. Nous plaçons Jésus à première position. Amen. Nous ne pouvons jamais prendre la place de Jésus. Amen. Nous plaçons Jésus à première position. Amen. Moi, je ne suis pas votre créateur. Un simple envoyé que Dieu a envoyé pour annoncer sa bonne nouvelle. Je ne suis pas Jésus. Je vous dis ouvertement, ce que je suis en haut. Amen. N'ayez plus que je sois. Amen. Ce que je suis. Amen. Attention, ces jours-là, sonnerez, Stéphane, dans les eaux, dans nos eaux, yogate. Ça peut arriver que nous n'ayons yoki. Oye, ma, et l'ogote. Non, non, moi, je vais imposer le logo couvi. Malade, il est sous ma case. Alléluia. Ah. Confions-nous à Dieu. Amen. Il est le seul créateur, le seul protecteur, le seul guide, le seul guérisseur, le seul élévateur. Amen. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pas évangéliste Augustin. Non. Pas la prophétesse Georgine. Non. Nous tous cherchons Dieu. Cherchons Jésus. Amen. Faisons la volonté de Jésus. Amen. Moi, je vous fais voir que la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Bon, mais maintenant, ça, qui n'a pas eu. Osons la nana, la simosa, la yesoute, bakolia yo. Moi, je suis protégé. Toi, tu n'es pas protégé. Mm-hmm. Tu es le dernier. La dernière. Moi, je suis le devant. Amen. Au premier rang. Mais ma poye, ma yote. Moi, je serai sauvé. Alléluia. Amen. Écoute. Je suis envoyé de Dieu pour vous faire voir la vérité. Vous vous annoncez la bonne nouvelle. Mais Dieu a besoin que nous tous, nous puissions le mettre à première position. Mm. Dieu a besoin que nous tous, nous puissions être au même rang. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être que tu n'as pas encore eu cette révélation. Révélation. Si tu es quelqu'un qui place que ton passé à première position, toi tu es derrière ton passé, c'est ton problème, tu resteras. Mm. Bah, koyi, bah, yo. Dans la course au pouvoir. Yo moni Paul a dit qu'il a dit Jacques, ma Pierre. Hein? Parce que vous étiez ensemble avec Jésus, moi j'ai préféré rester derrière vous. Non, la Bible dit la porte est par excellence. Il a parlé. Ils ont aussi entendu la voix de Paul. Celui qui venait de loin. Mais la Bible nous dit la porte est par excellence. Alléluia. Amen. Mais tu es un pasteur, nos pouvoirs. Chacun de nous a sa mission. Même si tu es assis là, tu as ta mission à toi. Si tu acceptes cela. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas là pour avoir un contrat, un sima. Non. Nous avons besoin que nous tous nous puissions aller de l'avant. Que nous soyons même rang. Christ est devant nous. Tu connais la neurolingue, c'est ton problème. Mais laissez-moi te dire pour terminer, je te dis encore ceci. Ce qui est yo et suit. Amen. Je sais que tu es là. Amen. Tu es en train de parler à une personne ce soir dans cette salle. Amen. Tu es là. Amen. La Bible dit, jeune homme, jeune femme, réjouis-toi de ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans le voie de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Mais, sache que
nous appellera en jugement. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.